Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on est sur Conan. Oui, Conan, salut à tous les exilés. On va voir un petit truc, c'est au niveau des commandes. On va voir un truc sur les commandes parce que. Alors, lui ne vous suit plus. Ok. Alors, on va détailler un petit peu le. Des asservis. On va y arriver. Donc voilà. Donc, là, il est en suivi. On voit. On peut lui demander de s'arrêter. En fait, c'est avec le bouton X. Donc là, on lui a demandé de stopper. Et si on veut faire sauter le stop, on appuie deux fois sur X. Ah, le stop a été enlevé. On appuie deux fois. Là, il était sur revenir. Stop. Donc vous avez compris le truc. Alors après, le point, espèce de petit viseur que vous avez, vous pouvez l'envoyer là-bas. Par exemple, moi le PNJ, je vais l'envoyer au niveau de la porte. Hop, on appuie sur X. Déplacement vers la porte. Mais il revient parce qu'il y a une distance. On va voir ça ensemble. Donc en fait sur les PNJ. Hop là. Donc le comportement. On va commencer par engagement du combat. Donc on va y aller par étape 1. Donc garder les environs. Alors en fait ça veut dire que votre soldat n'attaque que quand un adversaire l'agresse. Lui ou un allié situé dans un rayon de détection. Voilà. Me protéger. Donc votre soldat attaque ceux qui vous agressent directement ou ceux avec qui vous engagez le combat. Ne rien attaquer. Donc votre gars en fait il riposte pas. Et même si il y a une attaque d'ennemi. Alors la distance d'attaque. Alors ça peut être intéressant. Détermine la distance à laquelle votre soldat asservi ou votre serviteur détecte les menaces. Celle-ci peut aller de très faible, à 5 mètres, à très grand, 50 mètres. Donc là on choisit. Alors ça c'est intéressant pour une protection d'un secteur. Voilà, on peut mettre 50 mètres, 10 mètres, 15 mètres. C'est nous qui gérons ça. Donc voilà. Tactique. Alors tactique. Alors tactique, c'est. Donc là, on est sur tenir et défendre. Si vous sélectionnez cette option, votre soldat reste à son poste et le protège contre toute activité ennemie. Donc il reste à son poste. Priorité corps à corps, priorité combat à distance. Alors ça, c'est pareil, c'est un choix. Si vous voyez que l'ennemi est trop fort ou j'en sais rien, et bah préférez plutôt les attaques à distance. Là, c'est un choix. Alors, il faut lui mettre des armes à distance et des armes au corps à corps. Comme ça, lui, il va se gérer en fait. Et ça, c'est niveau tactique. Ouais, c'est cool. C'est cool. On va pouvoir vraiment leur donner des ordres et on va les contrôler quand même beaucoup mieux. Donc voilà, on choisit. Soit qu'ils rentrent dans le tas ou soit à distance. Parce que il peut les attaquer à distance et puis nous au corps à corps et ils nous couvrent en fait. Voilà. Donc ça, c'est les petites commandes qui sont. Ça paraît beaucoup au premier coup d'œil, mais qu'est-ce que ça va être bon? Ça va être bon. Ça peut être super bon. Une fois tout ça géré. C'est un petit peu ce qu'on retrouve à Ark. Hein, au niveau de la distance de suivi, distance d'attaque, de défendre un truc, rester neutre. Voilà, donc je voulais faire une petite vidéo juste pour. Alors, je vous mettrai
les détails directement une petite photo hein, pour vous voyez un petit peu le truc. Donc comme vous avez vu hein, et puis après il n'y a plus qu'à partir avec. Alors on peut partir à deux, on peut prendre une bestiole. Deux fois sur X, il lève la main, stop. Il bouge pas. Du coup, il protège sa zone. Donc vous pouvez réduire sa zone pour éviter qu'il parte dans tous les sens s'il y a trop d'ennemis. Et après, hop, il vient. On va y arriver. Voilà, donc là j'ai les deux qui me suivent. Si je fais stop, ça fait quoi? D'accord, donc ça marche que pour les soldats. Si je lui demande qui me rejoint. Hop, stop. Tu viens. Stop. Voilà, ok. Va là-bas. Voilà, ça marche que pour les soldats. Ok, parfait. Donc voilà, du coup, un petit aperçu vite fait. Donc là, à cheval, ça fonctionne. Stop. Il s'arrête. Arrivé de certaines distances, c'est possible que. Non! Non, non, non. Hop, je désactive. Il vient. Arrête-toi. Ok. Donc voilà. Donc voilà un petit peu, hein. Donc je mettrai une petite photo parce que là. Parce que là, voilà. Ça fait. Ça fait quelques commandes, il y a des petites subtilités. Donc on va voir ça. On va voir ça avec le temps, ce que ça va donner. Par contre, oui. Là, faut descendre. Hop là. Hop, 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 hop. Voilà. Essayer de suivre, parfait. Allez, viens là, toi tu vas là-bas. Là, j'ai dit là-bas. Ouais, il y aura des petites des petits patchs à faire. C'est marrant, ça marche mieux quand j'avais le cheval. Ok, enfin voilà. On va pas se prendre la tête là-dessus. C'était seulement un petit détail pour les asservis. Ça sent bon. Ça sent bon pour la suite. S'ils ont plusieurs surprises comme ça, bah c'est super cool. Bon, faut que ça fonctionne. Mais ça va fonctionner, hein, ça va fonctionner. Faut un petit peu de temps, c'est tout. Comme d'habitude. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Ça va fonctionner. Et bah j'ai hâte. J'ai hâte. De toute façon, on va suivre ça. Eh ben, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Allez, bye bye les exilés.